pas souligner que le bac m'a vraiment fatigué. Le bac m'a fatigué, j'ai plusieurs fois fait le bac et aujourd'hui Dieu m'a récompensé. Et je vais me référer à la citation de Voltaire, parce que Voltaire disait que le travail est loin de nous trois grands mots que sont le vice, la nuit et le besoin. Et nous merci, merci le Seigneur. Faisons trois mots. Le Père, Bernard, Belen Dadier, quand le travail, après le travail, l'indépendance. J'ai eu le bac. Il c'est un bon cœur même. Cette année, Dieu m'a fait grâce. J'ai eu Dieu merci. Je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Parce que le bac qu'on a eu, c'est vraiment le fruit d'un travail acharné, de prières, de nuits blanches et tout. Donc, il ne faut vraiment pas désespérer et continuer. Maintenant, je souhaite aussi mes félicitations à toutes ces personnes qui ont pu avoir le bac comme moi aujourd'hui. Félicitations à vous. Vraiment ici, vraiment fier de moi et très heureux. C'est tous mes amis aussi qui ont eu et sont avec moi aussi. Déjà d'avoir mon bac avec 200 promotions assez bien. Je suis vraiment contente, heureuse. Voilà, j'ai fait un candidat libre. Donc j'ai ici tous mes amis qui sont découragés, qui ont passé deux ou trois fois à réessayer. On ne sait jamais d'où la chose peut venir. On ne sait pas ce que Dieu peut faire pour nous. Donc je les invite à retenter les choses. C'est vraiment une joie pour moi. Je suis contente, je suis heureuse et tout. Je vous invite à passer le bac et on ne sait jamais. Voilà. C'était moi. Je viens d'avoir mon bac D, avec mon sien assez bien, je suis très content. Ouais. Hey man, ton ex n'a pas eu. Mon ex n'a pas eu. Ton ex n'a pas eu. Mon ex n'a pas eu. Goumet m'a donné là. Oh, elle n'a pas là. Dis-moi, Poto, c'est bien fait pour toi. C'est bien fait pour toi. Poto.